Jasage de jeu de rôle pour une vidéo réponse à Pat Bou dans son melting pot trop lisse. J'ai fait un peu comme François Letarte. J'ai pas vraiment répondu à la question en tant que telle sur le background. Probablement j'ai écouté la vidéo de Pat, j'ai écouté la réponse de François. Puis là j'ai comme fait une vidéo réponse à ça, mais j'avais plus Pat frais dans la tête, j'avais juste du François Letarte. Puis là vu qu'il m'a enduit d'erreur, ben ça donne ça. Fait que là, je vais vous répondre, c'est la question officielle, c'était est-ce que ça devient dans le domaine du maître le background, t'sais, est-ce que le maître peut s'en approprier à quel point? Moi, je pense qu'un maître ne peut pas dire non à un background ou en changer des éléments scellés. T'sais, si le joueur dit mon père il est mort, ben son père il est mort. Je joue pas avec ça. Si il est mort, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Oh, ben là, jamais retrouvé le corps, ça ouvre la porte à autre chose. Donc ça, c'est correct, tu sais. Mais tu peux pas, genre, scraper ce que lui a déjà fait officiellement, qu'il a seté dans le béton. Puis après ça, comme faire comme si, tu sais, tu peux pas ignorer ça. C'est quasiment une insulte au joueur. Tu sais, le gars, il se montre un background. Puis tout arrive, c'est comme non, 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 non. Et ton background s'est rendu tout l'inverse de ce que tu avais écrit. Faut chier! C'est pas fin. Faut pas faire ça. Tu sais, comme Radburger a fait aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo qui ne verrouille pas ton personnage. Ben c'est par là que ça passe ton background. T'sais. Si ton background. En fait, si tu fais un background qui est déjà tout fini de gérer, pourquoi tu as fait un background? T'sais, ça t'a absolument rien servi. Ça me fait penser à genre Simon Gouache, hein, un humoriste qui, à un moment donné, il parle de sa blonde, genre, des fois, il n'y a rien à y répondre. Ça dit « J'aimerais ça vivre dans le vieux port, mais en même temps, c'est loin de tout. » Fin de la discussion, je veux dire, tu dis de quoi, puis tu te réponds toi-même, fait que il n'y a plus rien à dire. Fait que c'est un peu ça. Si tu te fais un background, puis que tu te réponds à toi-même dans ton background, il n'y a plus rien à faire. Puis, c'est ça, comme je dis, le maître ne devrait pas rentrer là-dedans et enlever ce que tu as fait. Tu sais, c'est comme un comment dire, je sais pas, t'es cave, c'est-tu, de tout barrer ton background de même. Tu sais, je veux dire, si tu nous donnes du jus, ben, enlève pas le verre. Tu sais, je veux dire, ah, check ça, j'ai des bonnes idées, mais non, ça va être correct, j'ai pensé à tout ce que c'est. J'ai pensé à ce que je voulais faire avec ça. T'as plus de choix à faire. Fait que c'est ça. En tant que maître, on doit respecter le background du joueur, ce qu'il fait. Puis en tant que joueur, ben si tu veux en donner du background au maître, ben faut que tu y laisses du lousse. Tu peux pas tout barrer les portes puis dire ah, c'est ça là. Encore un autre. Vous voulez encore une autre image? On va en faire un autre. T'invites le maître chez vous, tu dis ouais, ça te tente de venir chez nous, c'est super cool, là, des chips, puis là, il arrive chez vous, tu barres toutes les portes, fermes toutes les fenêtres. Là, il arrive, toc toc, ouais, allô? Tu me manges la merde, je te réponds pas, là. Je fais comme si t'étais un témoin de Jéhovah, reste dehors, cachez-vous en dessous des divans. Tu sais, c'est ça. Si tu veux donner de quoi au maître, faut que tu lui offres quelque chose. Faut pas juste que tu sois une agace ou un égoïste qui fait comme qui laisse pas de chance. Fait que je pense que je me suis assez répété. Hein? J'ai comme dit la même affaire 4 fois, 1 minute chaque. On arrive à 4 minutes, puis je me suis répété 4 fois. C'est probablement parce que je m'en viens vieux, je vous le dis affaire. Ou j'aime ça jaser, hein? Pensez plus ça. Pensez plus ça. J'aime ça jaser, donc j'essaie de trouver des manières de jaser, tu sais. Faudrait que je trouve une métaphore par rapport à de la bouffe. Ça serait pas pire, genre. Je vais y penser, puis.